Introduction, excusez-moi, c'est mon premier. Hop. Voici l'équipe de choc qui a pu assister au DevFest de cette année. Voilà. Ils sont tous très beaux, n'est-ce pas? Donc au niveau de notre introduction, on a voulu montrer notre équipe com, voilà, qui a pu montrer notre superbe talent pour le beer pong, évidemment. Ils sont en train de faire régulièrement. On a voulu marquer le coup. Elle a voulu montrer sa supériorité à la concurrence. Qu'est-ce que le DevFest? Si on fait une conférence sur le DevFest, au moins présenter ce que c'est et ce qu'on y voit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un événement mondial qui rassemble tout un tas de développeurs, hein, qu'importe le niveau, peu importe. Vous avez un ensemble de conférences, vous avez des ateliers, vous avez des échanges avec des professionnels, c'est hyper intéressant. Vous avez l'occasion de découvrir les tendances actuelles, peut-être des nouvelles technologies si vous ne connaissez pas, même des retours sur des anciennes qui sont toujours d'actualité. Et vous avez la possibilité de rencontrer des experts dans le monde du développement et d'autres développeurs à ce niveau-là. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, notre talk sera plus basé sur les conférences que sur le reste de ce qu'on a pu voir. On va vraiment se focaliser là-dessus, et c'était en tout cas très intéressant à notre niveau. Ok. Le DevFest de Lille cette année s'est passé à Lille Grand Palais. Ça s'est passé les 6 et 7 juin. Ça a couvert un large éventail de techno comme tous les ans. Cette année, c'était beaucoup focalisé sur le DevOps, l'IA en particulier. On a vu partie sur le développement web et aussi le mobile. Ça s'adresse, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux développeurs de tout niveau. Et c'est mieux que cette occasion de pouvoir rencontrer des professionnels du milieu, pouvoir avancer sur certains éléments, des questionnements que vous pourriez avoir. Okay. Voici un exemple des entreprises qui ont pu financer le DevFest cette année. Comme vous pouvez le voir, Elozie est en tête de liste, évidemment, hein, tout à fait, avec d'autres entreprises dont nous parlons. On peut voir, tout à fait, merci. On parle des tendances, donc on va y aller. Donc les tendances cette année, ça partait énormément sur l'IA, le développement et le DevOps. Ça a commencé par la keynote d'ouverture, et la keynote d'ouverture, c'est souvent elle qui définit ce qui va être le sujet principal, si vous voulez, de ces deux journées. Donc cette année, ça a commencé par une présentation sur l'intelligence artificielle. Ça nous a été présenté par Lin Nguyen Hang, qui est quelqu'un qui tape un peu, on va dire. Donc il est PDG de Calicarpa, une société dans la cybersécu. Il est médiateur pour le PFL, il est orateur, il vulgarise tout ce qui est mathématiques, sciences, membre du conseil d'éthique chez Orange, en ce qui concerne l'IA, et il a une plateforme collaborative qui s'appelle Tournesol et qui sert à contrer tout ce qui est désinformation et haine sur Internet. Donc la clé d'ouverture, voilà, donc qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ben, c'est le domaine en expansion actuellement, on parle énormément de ça. Qui a un énorme potentiel, mais qui dit énorme potentiel, dit aussi possible risques et dérives. On en a parlé. Donc, il présente les risques qui doivent être pris en compte, pardon, et il met en lumière des solutions, les risques et les solutions qui sont proposées. Donc ici, durant son talk, il s'est focalisé sur trois choses principalement. L'IA est utilisée pour tout un tas d'éléments, mais ici, il s'est focalisé sur trois éléments particuliers. La personnalisation des services, la détection d'anomalies et de fraudes, et pour terminer, l'indexation de l'information. Personnalisation des services, c'est quelque chose que vous retrouvez quand vous allez acheter, je ne sais pas, une paire de chaussures sur Zalando. Quand vous allez sélectionner une paire de chaussures ou une recherche, on vous fait des suggestions. C'est les suggestions qui sont maintenant et certainement futures et qui vont arriver, on vous est présenté par des IA, se focaliser sur vos critères de recherche, mais aussi peut-être les couleurs qui vous intéressent, etc., etc. Donc l'IA derrière va bosser là-dessus. La détection d'anomalies et de fraudes, ben, comme son nom l'indique, on va essayer de détecter tout ce qui n'est pas normal et qui pourrait être sujet à des fraudes, par exemple dans le domaine bancaire. Et l'indexation de l'information, ben là, un de plus non plus, on indexe l'information pour récupérer la donnée très rapidement et faire des recherches très très rapides. Évidemment, qui dit haut potentiel dit risque, et donc il nous a énoncé tout un tas de risques liés à l'IA, alors il y en a plus évidemment, mais là ce sont les principaux qui a énoncé. Donc la sécurité, quand vous utilisez une IA, vous avez besoin de sécuriser
l'IA en question, vous assurer que ben, quelqu'un n'est pas en train de faire n'importe quoi avec. L'évasion à la détection, c'est-à-dire qu'une IA va vous aider à détecter les fraudes, par exemple, mais si vous connaissez le pattern, vous pouvez essayer de trouver une solution pour éviter ce pattern et donc quand même faire de la fraude. Et donc, c'est un des risques qui existent pour les IA. Empoisonnement des données. Une IA, ça marche comment? Ça marche sur un système on lui fournit de l'information, on l'hydrate avec de la data. Donc, on l'entraîne. Si les données qui permettent d'entraîner l'IA sont fausses, donc empoisonnées, eh bien, l'IA va vous fournir derrière des informations vérolées. Et pour terminer, la dissémination de fausses informations, ben, c'est quelque chose que vous pouvez facilement trouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de personnes qui vont dire quelque chose de faux. L'IA va commencer à le prendre en considération parce que tout un tas de personnes vont donner la même information fausse et donc derrière va essayer de vous retransmettre cette information. Quelles sont les solutions qui sont apportées par le speaker à ce moment-là? Dans un premier temps, utiliser des modèles open source. Alors, c'est comme pour nous dans l'informatique, hein, tout ce qui est propriétaire c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qui traîne derrière, qu'on ne peut pas trop y toucher, c'est un peu obscur. Tout ce qui est open source, l'avantage, c'est que tout le monde a accès au code, tout le monde voit ce qui se passe et donc peut détecter la possibilité d'anomalie, etc. La protection de la donnée, donc protéger les données via l'IA, évidemment, on reste dans le système de la sécurité. Toujours vérifier l'origine des informations qui sont transmises par une IA. Moi, si j'interroge ChatGPT et je lui demande est-ce que la Terre est plate, normalement, elle est censée me répondre non. Qu'est-ce qui ne me dit pas qu'un jour, elle me dira oui. Et dans ce cas-là, je dois m'assurer que cette information est vraie ou fausse. C'est une possibilité. Ou même, est-ce que la Terre est ronde? Oui, non. Ben, je dois quand même m'assurer que ce qu'elle m'avance est vrai. L'IA n'a pas toujours la vérité, donc il faut toujours s'assurer de ce qu'elle transmet. La réduction de la taille des modèles. On en est toujours dans le système de la sécurité, c'est-à-dire que plus un modèle est large, plus il est facile de trouver des failles pour pouvoir la verrouiller. Si un modèle est réduit, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de chances, donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir la protéger. Mettre en place des standards de sécurité, bon, la classique, comme nous en informatique, hein, il faut que tout le monde suive les mêmes standards, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et bien entendu, former les consommateurs à l'IA. C'est très simple d'aller sur ChatGPT et poser une question, mais est-ce qu'on sait comment la poser? Est-ce qu'on connaît les garde-fous? Est-ce qu'on sait comment faire? Pas forcément, donc il faut former les gens pour l'utilisation. Le talk que je veux présenter ensuite, c'est les 20 minutes TypeScript les plus rentables de votre vie. Alors, petite question avant de commencer, qui fait du TypeScript ici? Ça va, j'avais peur qu'il y en ait moins. Les autres, désolé. Je suis revenu en arrière. Et bas du bas. Le talk était présenté par deux leaders. Aurélien Loyer, enfin, le éléphant en bas. Qui nous ont raconté une histoire. Donc, la plupart des talks auxquels on a assisté là-bas ont tous commencé par une petite histoire. Eux, la leur, c'était simplement deux copains développeurs qui devaient présenter une conférence sur TypeScript et qui ont décidé de créer un framework de présentation de slides. Le problème, ils ont procrastiné, ils se retrouvent avec un truc qui est mal fait, qui n'est pas fini, et ils nous présentent en gros les problèmes qu'ils ont rencontrés et surtout comment ils les corrigent. La première chose qu'ils ont présentée, c'est le plugin pour un mode strict progressif. Donc pour tous ceux qui utilisent TypeScript, vous le savez, on active le mode strict parce qu'on s'y force. Si on ne le fait pas, on se retrouve avec des erreurs qui sont innommables au niveau du code. Le problème, c'est quand on essaie de le réactiver, ça explose de partout. Là, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez incrémental au niveau de la correction. Donc, le plugin s'appelle TypeScript Strict Plugin. Comme vous le voyez sur la presse, le mode strict est toujours désactivé. Par contre, vous pouvez avoir des alertes et les régler de manière incrémentale. J'ai pas fait la présentation de tout le plugin sur comment il fonctionne. Le but étant de montrer rapidement son utilisation. Je vous ai même mis le lien en dessous. L'amélioration du typage avec des techniques avancées. Alors, avancées, oui, non. Ça dépend si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, au moins, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Les typeguards, grosso modo, c'est simplement créer des fonctions qui vous retournent un booléen.
mais qui définit si oui ou non la valeur passée en paramètre est bel et bien celle d'un type donné. Ici, par exemple, vous vérifiez la fonction isString, xisString. C'est un type de retour qu'on ne croise pas souvent. En général, on mettrait un booléen, simplement. Ici, ça permet d'indiquer à TypeScript pour qu'il puisse déduire l'ensemble, sur l'ensemble du code restant, si effectivement vous avez bien affaire à un string. Vous avez la deuxième version, c'est les assertions de type. Vous voyez, ça ressemble beaucoup au premier. Simplement ici, on asserte que la valeur est ici de type nommulable t. La seule différence, c'est que si ça ne l'est pas, on peut lever une exception. On peut lever une erreur, le code devient plus robuste. Rassurez-vous, je vais assez vite sur les... pour ceux qui ne connaissent pas. Les unions de type, pour représenter des valeurs qui peuvent être de plusieurs types différents, les types sont quelque chose d'un peu bizarre pour ceux qui n'ont jamais fait de TypeScript. Pour les autres, c'est des interfaces. Grosso modo, c'est la même chose qu'une interface. Il y a beaucoup de gens qui se chamaillent d'ailleurs en TypeScript pour savoir s'il faut utiliser des types ou des interfaces. Je vous laisse décider par vous-même, vous allez voir sur Stack.info, vous faites partie du débat, vous tapez dessus et vous roulez dans les boues avec les autres. Ici, le but, c'est simplement de montrer que vous avez un type qui s'appelle Network State qui peut contenir trois autres types, Network Loading State, Fail State et Success State. C'est du polymorphisme, grosso modo. Sauf qu'ici, ça permet d'indiquer à TypeScript que le type peut être un des trois. Et simplement, si l'attribut n'est pas présent dans les trois types, vous allez avoir une erreur s'il est présent dans les trois. Après, vous avez bien évidemment la possibilité d'utiliser les fonctions que je vous ai montrées précédemment pour déduire les types et l'indiquer à TypeScript si vous permet d'avoir un code plus robuste. C'était un moment d'avant. Le type never, qui est utile mais qui n'est pas très connu par les développeurs TypeScript, ce n'est pas un void, je le dis, c'est une valeur qui ne sera jamais atteinte. C'est-à-dire qu'en général, on va rencontrer ce genre de choses, c'est simplement, on va lever une exception dans la fonction. Donc, aucune valeur ne sera jamais retournée. Ça permet de rendre le code plus robuste pour éviter d'indiquer que potentiellement il peut en avoir une. Ce type-là indique que la valeur n'existera jamais. Donc si vous mettez une variable et que vous mettez le retour de cette fonction sur la variable n'aura jamais de valeur. Vous l'indiquez. La surcharge de méthode en TypeScript, vous la connaissez dans d'autres langages. En TypeScript, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que vous définissez la signature de la fonction avec des paramètres différents. Et ensuite, vous définissez une autre fonction qui contient tous les paramètres et dans laquelle vous faites des conditions pour retourner, pour faire le calcul en fonction des paramètres qui ont été passés. Personnellement, je ne suis pas spécialement fan, je trouve ça lourd sur l'écriture. Ça peut être utile dans certains cas, mais c'est pas le truc le plus facile à maintenir derrière. Et un truc qui est plutôt sympa en TypeScript, c'est les modèles de type littéraux. Alors on connaît tous les littéraux de gabarit sur les chaînes de caractères. Ici, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut définir le format d'une string, mais avec des morceaux préconfigurés. C'est-à-dire que ici, par exemple, si vous regardez, on va prendre que le long, parce que la capture de grand que j'ai faite prend que celui-là. La seule valeur qui sera acceptée au niveau du $long, ce seront EN, JA ou PT. Si vous mettez autre chose, forcément, TypeScript va vous crier dessus et vous dira non, c'est pas possible. Les conseils généraux qui ont été donnés pendant le talk, ne pas utiliser trop souvent la surcharge de méthode, ils rejoignent un peu ce que je dis, ça complexifie parfois la lecture du code. Se renseigner sur les fonctionnalités de TypeScript. C'est vrai que même moi qui ai l'habitude de l'utiliser tous les jours, il y a énormément de fonctionnalités que je ne connais pas, comme la plupart des développeurs, tout simplement parce que il y a beaucoup de choses qui sortent très régulièrement, des fonctionnalités qui sont très intéressantes, mais par contre, on n'a pas tendance à aller les chercher parce qu'on a d'autres manières de faire qui sont peut-être moins efficaces. Et forcément, écrire du code propre et maintenable, parce qu'il y avait besoin de le dire, on est tous des développeurs, on ne fait que ça, hein, bien évidemment. Mon avis sur la conférence, c'était très sympathique, le modèle... La manière de présenter la conférence était vraiment sympa, c'est-à-dire vraiment, ils codaient en live, ils résolvaient les bugs en live. C'était super sympa. Le seul truc, c'est que 20 minutes pour illustrer des concepts TypeScript à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de les utiliser tous les jours, c'est un rythme très soutenu et
À mon avis, il y a certaines personnes qui ont été perdues, mais c'est pas grave, ils ont une vidéo, je vous ai mis le lien avec, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir, franchement, c'était vraiment sympa. Très bien. Durant ces deux jours, nous avions la possibilité donc, de voir tout un tas de conférences. Et il y en a une qui nous a plutôt titillé, c'est celle qui parlait de l'environnement et surtout comment réduire l'empreinte environnementale générée par 4. Merci. Quand nous sommes rendus à cette conférence, on était plutôt curieux, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Vous allez voir, c'est très intéressant. La conférence nous a été présentée par Tristan Mito. Alors Tristan Mito, pour ceux qui connaissent un peu Mozilla, etc., il a travaillé dans le développement du navigateur Firefox. Et il a fait tout un tas de choses, mais ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'est un fervent défenseur des logiciels libres. Et c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui a eu énormément de produits et qui sait un peu de quoi il parle. Il nous a beaucoup impressionné durant son talk. Actuellement, il anime le podcast qui s'appelle Octaver et qui parle de climat et de numérique. Est-ce que vous connaissez la loi de Moore? Si vous êtes dans le développement, oui, sinon peut-être pas. La loi de Moore vous dit quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'on doit doubler la puissance de vos machines tous les 2 ans. Grosso modo. Et lui, il intégrait ça dans les transistors, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on double le nombre de transistors tous les 2 ans, et on espère que... Et donc c'est censé doubler la puissance de votre machine. Si on double le nombre de transistors tous les 2 ans, c'est-à-dire qu'on met finalement 2 fois plus de matériaux dans nos machines tous les 2 ans. Ça se tient. Qu'est-ce que propose ici le speaker? Il propose une approche qui va être différente et qui va permettre donc de réduire l'impact sur l'environnement. Le but, ça va être de repousser les limites de la loi de Moore, puisque il semblerait, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais que la loi de Moore soit en train de mourir et qu'on est en train de rentrer dans autre chose. C'est-à-dire que le doublement de puissance des machines, au bout d'un moment, on atteint la limite, on ne peut plus. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour pallier à cette problématique. Quelle est la solution apportée par le speaker? C'est le potentiel insoupçonné de l'optimisation plutôt que de l'augmentation de puissance. Plutôt que de doubler la puissance chaque année, de changer de machine, on va optimiser les logiciels pour qu'ils puissent tourner sur des machines plus anciennes. Donc c'est ce que nous propose ici le speaker. Nous allons parler d'obsolescence programmée. Alors obsolescence programmée, vous savez tous ce que c'est. C'est le fait de votre machine, au bout de 4 ans, perd en puissance, est moins performante. Parfois c'est volontaire, parfois ça l'est moins. Vous avez l'exemple des iPhones, qui est assez connu. Alors que ce soit volontaire ou non, ça c'est pas à moi de me prononcer. Mais ce qui est sûr par contre, c'est qu'au fil des années, votre iPhone va perdre en puissance. En tout cas en performance. Pourquoi? Alors, il y a une explication qui est assez simple à ce niveau-là. C'est de dire que eh bien, l'architecture de votre téléphone, tous les ans, va changer. Ce ne sera pas la même. Et donc, vous allez avoir des mises à jour de votre iOS qui va se produire. Donc, comment ça va se passer pour les téléphones plus anciens? Il y a 2 solutions. Soit on tire plus sur la batterie, on fournit plus de puissance pour avoir une même performance d'un téléphone plus ancien vers un téléphone plus récent. C'est une solution. Les deux ont la même performance, mais on a un qui tire plus sur la batterie que l'autre. Soit, eh bien, on prend en conséquence le fait que le téléphone est plus ancien, et donc qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on va baisser sa capacité. Il sera moins performant qu'un téléphone plus récent. C'est un choix, donc c'est parti de l'obsolescence. Et donc c'est ce qui arrive. Qu'est-ce que ça va amener sur l'environnement? Parce qu'on va se dire, ok, d'accord, c'est cool, ta batterie, elle s'épuise plus rapidement, mais qu'est-ce que ça va apporter chez nous? Ben, si ça s'épuise plus rapidement, vous allez avoir tendance à vouloir changer de téléphone. Moi, si mon téléphone est moins performant qu'un nouveau, je vais avoir tendance à peut-être vouloir changer. Et si la batterie de mon téléphone commence à durer 2 heures plutôt que 12 heures, là, clairement, je vais aussi changer de téléphone. Bon. Quel est donc l'impact sur l'environnement à ce niveau-là? Eh bien, faut savoir que 80% de l'impact environnemental par ce qu'on produit nous, ça provient de la fabrication. Tout ce que vous mettez dans vos téléphones, quelle est la,
La matière première principale dans votre téléphone, que vous allez retrouver souvent, c'est du cuivre, ce qui va tout faire tourner, que ce soit téléphone ou autre, hein, c'est l'électronique, vos PC ou votre téléphone. Ça vient d'où ça? Ben, ça va de l'extraction et l'extraction, traitement des matières premières, fabrication des composants, assemblage, et donc tout ça, ben, c'est extrêmement polluant et c'est très mauvais pour notre environnement. Le changement climatique actuellement, alors, la plupart des scientifiques font consensus là-dessus, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi, en tout cas, le speaker a exprimé ceci, le principe que, bien, vous avez l'augmentation des températures, qui est inhérent à tout cela, l'événement météorologique extrême, hein, des tornades, des typhons, etc., la montée du niveau de la mer, et tout ça, ça montre quoi? Ben, ça montre que, il faut agir, et pas agir dans 10 ans, agir dans 20 ans, mais agir maintenant, le plus rapidement possible. N'oublions pas qu'il y a un objectif qui a été fixé, en 2100, on est censé avoir une augmentation de la température de 2,4 degrés. Si on regarde actuellement comment ça se passe, on en est loin. On n'y est pas du tout, et nous, dans le monde de l'informatique, du numérique, on a aussi notre part de responsabilité. Je vous parle d'optimisation, c'est exactement ce qu'a proposé le speaker à ce moment-là. Plutôt que de changer de matériel, on va optimiser nos logiciels. Si un logiciel ne peut pas être optimisé et est gourmand, dans ce cas-là, on le remplace. Et notre boulot à nous, ça va être de faire en sorte que nos logiciels soient le plus optimisés possible pour pouvoir, et ce serait l'idée finale, ne plus avoir à changer de matériel. Moi, si mon ordinateur fonctionne maintenant et fonctionne dans 50 ans tout aussi bien, c'est parfait. Donc si je n'ai pas besoin de changer de matériel, eh bien, ça va forcément avoir un impact positif sur la planète. On nous propose aussi de privilégier la durabilité et l'optimisation de la même manière. Et il nous a présenté donc un principe, qui le principe d'Eroom. Alors si vous regardez bien, Eroom, c'est le compteur de Moore. Donc c'est ce qu'il propose. Et il nous dit quoi? Optimisation en masse. Actuellement, c'est plutôt remplacement en masse. Hein, c'est ce qui se passe. Tous les gens, je change de machin, de truc. Là, il nous dit, on optimise. On arrête le changement. On optimise les logiciels. On optimise l'existant et ce qui sera créé plus tard. Identifier et éliminer les inefficacités logicielles. Améliorer les temps d'exécution par 2 tous les 2 ans. Là, actuellement, ce qu'on a si on suit Moore, c'est doubler la puissance tous les 2 ans. Lui, il nous dit quoi? On optimise, on améliore l'optimisation par 2 tous les 2 ans. Ce qui est un changement radical. Ce qui va amener quoi? Un allègement de notre charge CPU. Et donc, si notre charge CPU est allégée, elle peut faire plus de choses en même temps, etc. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Ce qui va apporter un gain maximal pour un coût minime. On a le droit à plusieurs exemples qui nous ont été donnés par le speaker, évidemment. Il a présenté des éléments pour son discours. Vous voyez une base de données. Vous savez tous comment ça fonctionne, enfin, pour les personnes qui travaillent dans l'IT. Si vous stockez, que ce soit dans du Mongo ou du SQL, hein, qu'importe, des éléments qui ne servent à rien, eh bien forcément, avec la quantité d'informations que vous allez stocker au fur et à mesure du temps, vous allez perdre en performance. Si vous ne stockez que ce qui est intéressant, fini de stocker les trucs qui ne servent à rien, vous stockez que ce qui vous importe, eh bien vous allez stocker du coup beaucoup moins de choses, et donc vous allez avoir des requêtes beaucoup plus performantes. Quoi? De stocker des trucs qui servent à rien. Oui, mais t'es force de proposition. T'es pas juste un développeur qui tape du code, t'es force de proposition à ton client. Ouais, mais si je tape pas du code sur la table, t'apporte le sens. Dans ce cas-là, tu lui offres une bière. On va. Exactement. Mais en fait, on est tous force de proposition. On est dans l'IT, c'est notre métier. On sait de quoi on parle. En tout cas, on essaie. Et c'est notre boulot de proposer des choses. Non, le client sera d'accord. Si tu lui parles financier, forcément derrière, il va dire « Ok, c'est bon. » J'ai rarement vu des clients qui ne sont pas avec toi si tu leur dis « Vous faites des économies. » Et les clients, ils commencent à se dire « Si tu veux faire des économies, est-ce qu'on peut... » Non, on va juste te dire « Je fais des économies. » Bon, on en discutera si tu veux plus tard, il n'y a aucun souci. Dernier exemple, l'exemple de Matt Parker. Alors, Matt Parker, pardon, c'est un mathématicien. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, je ne sais pas. Vous avez entendu parler de lui, peut-être? Certains d'entre vous, non? C'est aussi un YouTuber. C'est aussi un YouTuber et
Il a proposé quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il a mis un algorithme et il a voulu résoudre cet algo via du code. Son code s'est effectué en plusieurs jours. Bon, pour nous, c'est un peu terrible, hein, en termes d'utilisation, c'est terrifiant. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bah, sur Reddit, je vais proposer mon code, je vous laisse libre et je vous mets un exemple et maintenant vous essayez de réduire et donc d'augmenter les performances. Donc, vous allez réduire le temps, augmenter les performances. Les développeurs se sont pris au jeu, ils se sont dit, tiens, c'est marrant ça. Et donc, ils ont tout testé, ils ont fait du Rust, ils ont fait du Node, ils ont fait de l'assembleur, etc. Et on est passé de plusieurs jours à plusieurs millisecondes. Voilà ce qu'amène. Alors, c'est un exemple. Vous allez me dire, oui, c'est qu'un exemple. Oui, mais vous voyez l'optimisation, ce que ça peut apporter. Et c'est extrêmement intéressant pour nous. Et c'est intéressant aussi pour notre planète. Impact positif à grande échelle, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'industrie se dit, maintenant, c'est bon, on arrête la loi de Moore et on fait la loi des roues. Réduction majeure de l'empreinte environnementale, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, évidemment, hein, on fait ça à notre échelle. On n'est pas là en train de dire que les usines vont arrêter de tourner et que les voitures vont arrêter de rouler, c'est pas la question, mais chacun doit faire ce qu'il peut, en tout cas. Diminution des besoins de changement matériel majeur, donc ça je vous en ai parlé aussi, je vous ai dit, ben, si dans 50 ans j'ai toujours le même PC, je suis très content, parce que je fais des sacrées économies, parce que mettre 2000 balles dans un PC tous les 4 ans, c'est un peu énervé. Et c'est toujours très bon pour la planète, parce que si je produis moins, donc j'ai besoin de moins de ressources, et si j'ai besoin de moins de ressources, la planète s'en porte mieux. Pour conclure, cette conclusion est de Thomas, pas de moi. La loi de Moore est morte et c'est tant mieux. Merci à tous. Le talk suivant était sur les machines à état. Et celle-là était faite spécifiquement pour aider la petite souris. Oui, la petite souris, les dents. Par le hasard des affectations de présentation, je me retrouve à présenter que les trucs techniques. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas. Je vous rassure, cette fois, c'est du Java. Ou, ça peut vous inquiéter, je ne sais pas. C'est... Vous me direz après. C'était présenté par Laurie Lunet, une dev full stack, qui, franchement, maîtrisait très clairement son sujet. Je ne sais pas combien de fois elle a présenté ce talk, mais à sa place, très sincèrement, je m'en serais pas sorti. J'aurais été en PLS du début à la fin. C'est-à-dire que son talk était présenté sous la forme d'une démonstration où elle a commencé avec un projet vierge. Elle l'a codé sous nos yeux. Le but était de démontrer comment fonctionnait un pattern machine à état. Et je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui l'ont déjà implémenté. Non. En fait, l'exemple le plus simple qu'elle nous a expliqué, c'est une machine à café. Une machine à café avec un broyeur à grains, par exemple. Elle se retrouve systématiquement dans un état donné, à un moment donné. Vous allumez la machine, elle est en état d'attente. Vous appuyez sur le bouton, il y a une transition qui se lance, une action qui s'exécute, et ensuite, elle se retrouve dans un autre état. C'est-à-dire, c'est simplement une machine à état. Vous avez un état donné à un moment donné, et une action est effectuée pour lancer l'état suivant. Si on utilise les mots savants, c'est un modèle computationnel qui se trouve dans un état donné à un moment donné. Comme je vous l'ai dit, ça passe d'un état à un autre en réponse à des événements, et chaque état est associé à des actions qui sont exécutées lorsque la machine à état se trouve dans cet état. On connaît tous ces différents états, en général on les utilise sur des commandes, sur ce genre de choses. Encore une fois, je vous présente la machine à état, ne sortez pas d'ici en vous disant « trop bien, je vais le mettre en place dans le projet chez le client tout de suite ». N'oubliez pas, c'est un pattern. On y réfléchit quand même avant de le mettre en place, au minimum. L'avantage de l'utilisation, c'est vrai que à l'origine, elle avait commencé à nous expliquer qu'elle avait commencé à coder le projet. Alors, pas celui de la petite souris, mais celui sur lequel elle travaillait, sur lequel elle a vraiment découvert la machine à état. Elle s'était retrouvée avec du code spaghetti. Ça parle au dev, on en a tous fait, on a tous honte, et on voudrait tous l'oublier. Ici, le fait de mettre en place la machine à état permet de rendre un code plus structuré, beaucoup plus clair à lire, et franchement, c'est vrai que quand on voit sa présentation, on est d'accord avec elle. La maintenance est forcément facilitée, et on a une meilleure gestion des erreurs. C'est-à-dire que dans une machine à état,
je vais vous montrer juste après, on est capable de déterminer précisément à quel endroit du code se situe l'erreur. L'exemple de la petite souris, c'est un process très simple. Elle réceptionne la dent, elle vérifie s'il y a des caries, elle commande de l'argent, elle attend l'argent de la Banque de France, elle livre l'argent, et potentiellement il peut y avoir un échec à un moment ou à un autre. Quelques états très simples qui sont mis en place. Je ne vous fais forcément pas toute la présentation une fois de plus, parce que sinon ça revient à faire son talk à elle. Je veux juste vous montrer les états principaux pour vous expliquer que c'est vraiment très simple à mettre en place. On a un état qui, fondamentalement, prend deux éléments. Un nom et une transition. Une transition, c'est quoi? C'est simplement un état antérieur, un état postérieur, une action à exécuter. Comme je vous l'ai dit, si vous avez, quand vous avez la machine à café, vous appuyez sur le bouton, vous déclenchez un événement, l'action, ça va être quoi? Ça va être de faire couler le café. État précédent en attente, état suivant en attente. C'est assez facile, mais c'est du Java, il y a des interfaces, je vous l'ai mis histoire de faire plaisir quand même, parce que de temps en temps, c'est bien. Une action. C'est quoi? C'est simplement un runnable qui run quelque chose. Elle a créé un engine. Alors, je vous rassure, ça, elle ne l'a pas fait devant nous. Parce que ça aurait quand même été assez long. Il y a beaucoup de code répétitif. Mais il y a deux éléments principaux. Un élément qui permet de lancer la machine à état à l'origine. Et un élément qui permet d'exécuter les transitions. C'est-à-dire que vous avez enchaîné les transitions les unes à la suite des autres en fonction des actions si elles sont déclenchées. Ce qui donnait ici, ce schéma-là, la dent est reçue, on vérifie la dent, on commande l'argent, l'argent est commandé, on met en pause. L'avantage ici de la machine à état était surtout sur le principe de la mise en pause. C'est-à-dire que vraiment, une fois que toutes les transitions ont été effectuées, on peut mettre la machine à état en pause, attendre la réception et relancer la suite de la machine à état. L'autre avantage qu'elle nous a présenté, c'est que chacun des états peut être sauvegardé et donc relancé en cas d'erreur. On peut retracer l'ensemble des actions qui ont été effectuées sur une commande ou sur n'importe quoi, simplement en regardant la base de données et comment ça a été effectué. Elle l'a fait from scratch devant nous pour nous présenter le concept. Bien évidemment, il y a des frameworks qui existent. Personnellement, je ne l'ai jamais mis en place. J'aimerais bien trouver un projet qui soit sur lequel je pourrais mettre en place une machine à état. Très franchement, c'est vraiment super intéressant. J'ai pas entendu. Dans le gaming, bah forcément, oui. Après, sinon, dans l'embarqué, j'imagine que ça doit se faire beaucoup aussi. Bah, je me dis, bah, les machines à café. mais il y a des frameworks qui existent. Je suis tombé sur Spring State Machine. Je vous avoue que je ne l'ai jamais mis en place, je ne sais pas ce que ça vaut. Si quelqu'un connaît, qu'il n'hésite pas à venir me dire c'est bien ou c'est pas bien, histoire que je le sache. La conférence, franchement, en lisant le titre, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, c'est un peu enfantin quand même pour le machin. Mais la manière de présenter les choses et d'amener les choses, c'était vraiment super bien mené. C'était rodé, mais comme je vous l'ai dit, c'était vraiment, elle connaissait son truc sur le bout des doigts. Elle a vraiment préparé le truc, bon, elle l'a fait souvent, j'imagine, la conférence. Mais c'était vraiment agréable, simple à suivre. Et en sortant de là, j'avais compris comment ça fonctionnait. Au-delà des conférences qui peuvent présenter certains concepts techniques et on sort de là, on n'est pas trop sûr. Là, pour le coup, j'avais vraiment compris, même si je n'ai pas forcément réussi à vous le représenter ici parce que j'ai moins de temps, je ne le coderai pas en live, c'est sûr et certain. J'espère au moins vous avoir donné envie peut-être d'aller voir sa vidéo et d'essayer de comprendre comment ça marche. Nous allons enchaîner sur le produit de la qualité et de l'over engineering. Alors, l'over engineering, c'est toujours la question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis en train d'en faire trop? Est-ce que j'ai répondu aux besoins de mon client, etc. Pardon. Merci.
Le talk nous a été présenté par James, qui travaille pour Before Bank. Voilà. Donc, elle est ingé en système embarqué et elle travaille. Elle est aussi responsable du pôle iOS de Before Bank. Pour ceux qui auraient un doute, l'over engineering, c'est quoi? C'est concevoir un produit ou fournir, dans ce cas-là, une solution qui est trop complexe et élaborée par rapport aux besoins primaires du client. Très simple. J'ai besoin, je vous demande quelque chose de simple, vous me rendez quelque chose de très complexe. Ce que je voulais demander, bon. Qu'est-ce que ça amène, l'over engineering? Qui dit plus complexe dit, alors, vous allez me dire, ça dépend qui, mais en tout cas, ça me concerne. Allongement des cycles de développement, augmentation des coûts, qui dit cycle de développement plus long, dit coût plus élevé. Des produits non adaptés ou qui ne répondent pas exactement aux besoins du client, vous en faites trop, le client n'a pas demandé certaines choses, il se retrouve à devoir peut-être payer des choses qu'il n'a pas demandé, possiblement. Ou alors il vous regarde et vous dit mais je ne l'ai pas demandé donc je ne le paie pas. Ce qui entraîne quoi? Une perte de temps et de ressources. On a plusieurs exemples, donc nous, Speaking nous a donné deux exemples. Un qui était assez parlant, c'est je dois coder une fonction qui retourne un message simple. Et le développeur l'a écrit en 30 ou 40 lignes à la place d'une seule. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il voulait rendre le code plus facile à maintenir et plus facile à lire. Qu'est-ce que ça a entraîné? Un code plus difficile à comprendre, malheureusement. Et si plus difficile à comprendre, c'est plus difficile à modifier. On a aussi l'exemple des classes et des méthodes qui sont inutilisées. On utilise pour la plupart des frameworks. Hein. Et les langages purs, les ont. Et vous avez tout un tas de méthodes qui existent, qui sont déjà préconçues et qui sont prêtes à l'emploi. Et possiblement, on ne les connaît pas. Et donc, on se retrouve à devoir développer quelque chose qui existe déjà. Et c'est malencontreux parce que si ça existe déjà, autant s'en servir. Vous gagnez beaucoup de temps et puis c'est fait pour ça. Donc c'est ce qui peut arriver ici, voilà, vous utilisez un langage, vous créez votre fonction pour faire une action spécifique, et malheureusement cette fonction existe déjà, dommage. On a aussi l'exemple du stockage excessif de données, vous stockez trop de choses, j'en ai déjà parlé sur un talk précédent, vous stockez trop de choses, ça amène quoi? Votre espace de stockage prend plus d'espace, enfin si vous voulez il est plus rempli plus rapidement en tout cas, ce qui entraîne quoi? Ralentissement des perfs. C'est un problème. Si vous ne stockez que ce qui était nécessaire, dans ce cas-là, on sera tranquille là-dessus et donc vous gagneriez en performance. Pour éviter l'over-engineering, la speaking nous a dit de définir des objectifs clairs et des priorités. Alors, on est tous des professionnels, on sait tous comment ça marche. Parfois, les objectifs sont très clairs, parfois beaucoup moins. Et donc, c'est assez compliqué de se dire « Ok, on part sur ça et c'est exactement ça qu'il nous faut ». Il arrive parfois que le lendemain, on me demande autre chose ou d'ajouter ou retirer des éléments. Bon, ça arrive, hein, vous savez de quoi je parle. Communiquer efficacement les objectifs et les priorités, fixer des délais réalistes, évidemment, et utiliser des frameworks pour mesurer la performance. Alors ça, c'est quasiment un must-have. Hein, c'est-à-dire que si vous ne mesurez pas la perte de ce que vous produisez, vous ne savez pas si c'est rapide ou lent. Donc c'est vraiment nécessaire d'utiliser ce type d'outils. On utilise donc la solution la plus simple qui répond aux besoins du projet. Et c'est ce qui est le plus conseillé pour éviter l'over-engineering. Pour les professionnels de l'IT, vous connaissez tous TinyMe? Non? Ok, pardon. Donc TinyMe, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, faites au plus simple et ne faites pas des choses qui ne seront pas utilisées. Je vous fais en français. Et donc c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas chez nous, qui est très souvent répété pour éviter d'aller trop loin quand on propose des solutions. Rappelle-toi Yagni, va au plus simple et surtout n'en fais pas plus parce que sinon tu vas pas correspondre à ce qui a, tu vas pas rendre ce qui est attendu par le client. Et donc privilégier la simplicité. Notre avis, on a le même. La conférence était très très bien amenée. La personne parlait très très bien. Connaissait son sujet et savait de quoi elle parlait, c'était très intéressant. Les conseils étaient très clairs et très simples à mettre en place. C'est pas toujours le cas, mais là c'était vraiment clair et simple. Faites ça, pourquoi et de cette manière. Très bien, c'est très simple. Et des personnes avaient des questions sur des problématiques métiers, elle a pu répondre à ces questions et donc peut-être apporter des solutions à des problématiques actuelles.
Le talk suivant, ça peut susciter des débats. Est-ce qu'il faut privilégier la lisibilité ou la performance? C'était présenté par Jonathan Meunier, ingénieur informatique spécialisé dans le web. Il a amené les choses, il a mis les pieds dans le plat en fait, hein, tout simplement. Et il a dit, la lisibilité du code, c'est avant tout subjectif. C'est-à-dire qu'on l'a déjà tous rencontré lorsqu'il fait une MR. Le code, pour nous, il est extrêmement lisible. On comprend très bien ce que c'est dit. Il n'y a même pas besoin de documentation. Hein, de toute façon, la documentation, c'est superflu. C'est si le code, il est mal écrit. Mais le leader a décidé que le code, c'est pas comme ça qu'il fallait écrire, c'est différemment. En fait, tout simplement, il ne faut pas oublier, la lisibilité du code sera toujours subjective et variera d'un développeur à l'autre. Ça dépend de votre connaissance du langage, ça dépend de quel framework vous venez à l'origine. Ça dépend de tellement de facteurs que vous ne pouvez pas définir des critères objectifs sur la lisibilité du code. Un code lisible, en général, de manière relativement objective, sera plus facile à comprendre, à modifier et à maintenir. On a tous ces petites tournures de code qui amènent le code plus élégant à nos yeux, mais qui le rend quasiment impossible à lire pour, par exemple, un junior qui arriverait sur le projet. Le junior lit le code, il fait « je ne comprends pas du tout cette ligne, j'arrive pas à la comprendre » et du coup il doit forcément aller se renseigner ailleurs. Le code non lisible peut entraîner des erreurs, des bugs et des difficultés de débogage. Je vous l'ai dit, le talk s'intitule « lisibilité ou performance », ça ne veut pas dire qu'un code non lisible est un code performant. Ça ne veut pas dire non plus qu'un code lisible ne sera pas performant. C'est simplement en général, on se retrouve à essayer de tordre le bras un petit peu au langage pour essayer de gagner quelques secondes, millisecondes. Le but, c'est surtout moins de consommation de ressources et un temps de réponse plus rapide, surtout pour nous qui sommes quasiment tous dans le web. On le sait, on est à grappiller des millisecondes en général. L'équilibre entre lisibilité et performance, on le retrouve très souvent malgré tout. Et mine de rien, c'est quelque chose qui est difficile à trouver, mais qui reste à définir, je vais un petit peu sur la conclusion du talk, qui reste à définir en équipe. C'est-à-dire que c'est à définir en général si vous êtes le lead dev avec votre équipe, ou si vous faites partie de l'équipe avec le lead dev, il faut en discuter. Tout simplement, encore une fois, pourquoi? Parce que le code, la lisibilité du code est entièrement subjective. Et vous pouvez très bien vous retrouver avec du code relativement lisible pour tout le monde et très performant. N'hésitez pas, on en discutera si vous voulez après. Le DevFest a été franchement un grand succès. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a vu cette année beaucoup de monde. Pour ne rien vous cacher, à chaque fois que je retournais dans le hall après une conférence, j'avais l'impression qu'il grêlait tellement il y avait du bruit dans le hall. Vraiment, c'était... J'avais la tête comme un ballon, si j'avais dû rester toute la journée là, je crois que j'aurais pas. On a appris énormément de nouvelles choses. On a découvert de nouvelles technologies. Et surtout, on a rencontré beaucoup d'autres personnes qui étaient passionnées par la tech. C'est pas facile tous les jours. En général, quand on commence à en discuter dans les soirées, bon, on saoule un petit peu tout le monde. Mais là, c'était vraiment agréable de rencontrer d'autres personnes avec qui on a pu partager nos passions. Pour terminer sans slide, au-delà de ça, le DevFest, franchement, il était extrêmement dense. C'est-à-dire qu'on a fait les deux jours. Je vous garantis qu'à la sortie, on était HS. Je crois qu'on est rentré direct, on allait dormir. Ouais, c'était dur. Il y avait énormément de conférences, beaucoup de choses intéressantes. Mais ça a été extrêmement dense. Si je devais le refaire, je pense que je prendrais qu'une seule journée. Non, c'était une seule journée, ils sont passés à deux. Ouais. Ils ont testé, on a vu ce que ça a donné. C'était très cool. L'année prochaine, je sélectionne une journée pendant ça. Il y a le plus de choses qui m'intéressent et je me concentre dessus. Parce que sinon, c'est vraiment pas super cool. Ouais. En ce qui concerne, je te coupe, pardon. Vas-y. On va finir sur ça.
En ce qui concerne l'organisation pardon, même du DevFest, c'était très très bien organisé. On avait des petits déj le matin, c'était cool. On avait des repas qui étaient proposés le midi, c'était cool aussi. Ils ont innové cette année, ils ont préparé de nouvelles choses. Pour les femmes enceintes, qui avaient un très jeune enfant, qui avait besoin d'allaiter, ils avaient mis à disposition une salle d'allaitement pour les personnes qui en avaient besoin. De la même manière, pour les personnes qui avaient besoin de s'isoler de tout ce bruit, de tout ce capharnaüm, parce qu'effectivement, il y avait énormément de bruit, il y avait une salle qui était mise aussi à disposition pour ces personnes-là qui avaient besoin de se reposer. C'était nouveau, ils ont testé ça et c'était tout à leur honneur de pouvoir mettre cela à disposition. Tout comme Thomas, j'ai apprécié l'événement, c'était très lourd, vraiment dans le sens où il y avait beaucoup de choses à voir, et même si on mettait 20 minutes de pause toutes les deux heures, c'était quand même assez énervant. Un plaisir, et en espérant pouvoir le refaire l'année prochaine. Merci à tous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai l'impression que non. Allez, let's go, la bière c'est par là, merci à tous. C'est parti. Ciao. Merci à tous et bonne soirée.